Bonjour à tous, c'est Doc McCoy. On se retrouve sur le test de Gunstar Super Heroes, développé par Treasure, édité par Sega et sorti sur GBA en 2005. Et l'intro tournante se relance, bien évidemment. Je vais vous montrer vite fait les menus. Donc vous avez le choix entre Red et Blue, les deux héros emblématiques de Gunstar Heroes. Ce jeu est évidemment une suite. Vous verrez que c'est plus un remake en fait, hein. Une suite de Gunstar Heroes sur Mega Drive, sorti en 93 il me semble. Un jeu que je vous ai déjà testé en off il y a plus d'un an et demi. Là, dans les options, on a les contrôles bras, etc. On s'en fout. Vous allez voir qu'on peut sélectionner le niveau de difficulté. Donc, étonnamment, je vais mettre en easy pour que le test soit plus fluide et que je meure pas toutes les 5 minutes parce que le jeu est pas spécialement facile. Vous voyez qu'on a New Data, c'est-à-dire qu'on a, on a un slot de sauvegarde, tout simplement. Donc, on va lancer la partie et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, on a premier niveau, c'est un petit niveau d'intro à la Mega Man X. Donc on aura toujours des briefings comme ça, sous forme d'animé, avec parfois des voix digites, parfois non. Donc là, il n'y en a pas. Faut appuyer sur la flèche du bas pour faire défiler le texte plus vite. Donc nous, on travaille pour le I, I, qui est une sorte de super police, en fait. Hein. Et on est les Gunstar Super Heroes, donc une unité d'élite du I. Alors voilà Red. Et on attaque. Hop. Vous voyez, hop, on a un bouton pour tirer, un bouton pour donner des coups en direct, des attaques de mêlée, et un bouton pour sauter. Sauter, on peut toujours donner des coups, au corps à corps c'est automatique. Qu'on appuie sur le bouton de tir ou le bouton de frappe, c'est automatique. Sinon, on peut tirer, ça défouraille, on a toujours les soldats qui sont omniprésents. Ici, on voit déjà un petit clin d'œil à Gunstar Heroes. Vers la fin du jeu, on avait ce passage où on se voyait à travers l'écran. On voyait les ennemis qui nous regardaient à travers un écran. Hop, ça, les petits machins volants, ils sont de retour. Vous voyez, déjà, à peine on a commencé le jeu, on a déjà énormément de références à Gunstar Heroes. Ce qui est normal, hein, je vous dis, c'est plus un remake qu'une suite. Là, on bourrine, hop. On a des gros ennemis. Hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. Merde, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est toujours aussi nerveux. Ça, c'est bien. C'est toujours aussi nerveux. Le jeu, ouais, je vous l'ai dit, est sorti en 2005. Donc, soit quand même plus de 10 ans après Gunstar Heroes. Putain, je butais, saloperie. Il se met en boule. Il fait assez mal, lui. Vite, 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 vite. Bon, hop, hop. Vous voyez, on a un coup de pied sauté. On peut même... hop là, on peut même faire... Alors, attendez, ici, ça marchera pas, non. On peut faire... dans certains cas, on pourra faire un wall jump. Il n'y a pas un truc, là. Ouais, si, vous voyez, ici, on a un truc caché. On aura pas mal de petits passages cachés. Hop. Attention. Hop, voilà, bon, bref. Merde, ouais, ça c'est toujours comme dans le 1, hein. Si on se mange une caisse sur la tête, on peut donner des coups de pied vers le bas, on saute, hop. Ah, putain. Voilà, là on reprend le chemin normal. Et on retrouve un vieil ami, General Gray. Qui est. Moi j'ai toujours cru que c'était l'empereur en fait, hein, dans le Gunstar Heroes. C'est le chef de l'Empire. Et là on va avoir un premier combat contre un boss. Je vous dis, c'est un premier niveau d'intro. Donc, qu'est-ce que c'est que le pitch, hein, le pitch de ce jeu, bah, c'est ni plus ni moins que celui de Gunstar Heroes, c'est-à-dire qu'on nous fait prendre ça pour une suite, mais en fait, le but sera le même, c'est-à-dire qu'il faudra collecter les 4 gemmes qui sont censées réactiver Golden Silver, le destructeur, qui avait été détruit dans le précédent épisode. Donc là, ils nous ont inventé une histoire comme quoi la destruction de Golden Silver a entraîné la création de 4 lunes, comme par hasard. Et sur ces 4 lunes, on va y aller et vous verrez que c'est des niveaux qui sont très similaires à Gunstar Heroes. Au niveau du... Oula, une grosse bébête. Au niveau du système de tir, vous voyez qu'on n'a plus le système d'armes interchangeables et de combinaisons. Chaque personnage, je vais vous le montrer... Attendez, c'est quel bouton que j'ai mis? Voilà, celui-là. Chaque personnage a 3 armes. Ici, j'avais donc, hop, vous voyez, un rayon. Donc ça c'est le rayon cheaté de Gunstar Heroes. Normalement, c'est la combinaison de l'arme verte et du rayon laser.
Donc ça fait un laser à tête chercheuse. Là ici, c'est une arme de base. Alors je vous avais dit qu'elle était cheatée, bah là, elle l'est toujours un petit peu. Hein. Un petit peu moins quand même. Elle est un petit peu moins réactive que dans le premier. Donc là, on va avoir un boss assez impressionnant qui va choper Yellow. Donc lui, hop, il faut lui tirer dans la tête. Donc c'est pas forcément la meilleure arme pour ça d'ailleurs. Il faut éviter qu'il nous écrabouille. On peut tirer comme ça, on peut lui tirer dans la main, ça lui fait mal. Voilà, comme ça. Merde, faut pas hésiter à utiliser la glissade. Et plus ça vient, plus il va aller vite en fait. Hein. Je me suis pas fait toucher là, tiens. Voilà. Il y a Yellow qui m'empêche de lui tirer dessus. Voilà, comme ça, ça marche bien aussi. Ou on passe en dessous et on lui tire dans la tête au passage. C'est un peu long. On peut aussi, voilà, comme ça. C'est un petit peu plus radical. Comme d'habitude, hein, les coups au corps à corps sont plus puissants que les armes. Voilà, il est niqué. Oui, un premier boss assez simple. C'était vraiment le niveau d'intro. Donc, on perd le système d'armes. Au niveau du corps à corps, on perd la projection. Ça, c'était assez sympa dans Gunstar Heroes, de pouvoir choper certains ennemis et de les envoyer sur les autres ennemis. Et ça, ben, on l'a plus. Excusez-moi, je sors d'un gros rhume. J'ai un petit peu mal à la gorge encore. Là, on va mettre notre nom. Eh merde, raté. Non, faut faire comme ça. Hop. La merde. Pas possible, ça. Ouais, faut appuyer sur Start. Assez sympa aussi, ça. Hop, voilà. Save. Donc on peut sauver notre progression. On sauve notre progression et on sauve même la progression dans les niveaux checkpoint par checkpoint. Et donc en fait, on pourra refaire les niveaux, soit pour essayer de les passer, soit pour essayer d'améliorer notre score. En trouvant les zones cachées, en tuant plus d'ennemis, etc. Donc là on a le choix, comme dans Gunstar Heroes, entre... Bon, on peut refaire le niveau de la Terre, mais c'est pas intéressant. Sinon on a le choix entre les 4 lunes. Et qui rappelle étrangement les quatre premiers niveaux de Gunstar Heroes. Ici, ce sera le niveau, vous allez le voir, de la pyramide. Ici, le niveau de... Que je dise pas de conneries, le niveau de orange. Ici, le niveau de green avec la mine, car il est quasiment copié-collé, je vous montrerai pas celui-là. Et ici, la forteresse de Black. Donc, toujours avec le système de lancer de dés et de jeu de loi. Donc, ça, c'est pas du tout original, ça a déjà été fait. On va prendre ce niveau-là, vous allez voir... à quoi ça peut ressembler si vous vous souvenez du premier niveau de Gunstar Heroes. Vous allez voir, c'est assez proche. Donc là, bien sûr, on va affronter Pink. Hein, Pink et son gang, donc le gang de mercenaires qui travaille pour l'Empire. Donc le premier niveau, par contre, lui, enfin le premier mini-stage est assez original. C'est un stage où on est poursuivi par des hélicos. Et il faudra éviter de se faire shooter par les missiles. Comme ça, voyez, hop. On peut pas sauter, on peut juste tirer sur les missiles et les différents robots. Superbe effet de rotation. Donc bien sûr, vous avez remarqué que au niveau de la réalisation, ce jeu fait vraiment honneur à la GBA. Ça, il n'y a aucun problème. On est sur un jeu qui est superbe. La musique est très bonne, même si, encore une fois, ce ne sont que des remixes de Gunstar Heroes. Il n'y a quasiment aucune musique originale. C'est les mêmes musiques, en fait, mais pas forcément au même endroit. Celle-là, c'est la musique du premier niveau. Premier niveau de Gunstar Heroes, hein, le niveau avec la pyramide, etc. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Moi, c'est ce que je vous le dis tout de suite, hein, c'est ce que je reproche à cette suite. Ok, c'est une suite remake, mais les suites remake, il y en a eu, on en connaît. Prenez Super Metroid ou Super Castlevania 4, c'était des remakes masqués. C'est-à-dire que ce sont des suites... Mais, sauf Castlevania 4, c'est un remake à assumer. Super Metroid, c'est une suite de Metroid 2. Et c'est un remake de Metroid sur NES. On est bien d'accord. Par contre, le jeu est tellement différent que ça en fait un vrai jeu à part entière et un vrai hit de la saga. Ici, malheureusement, ils ont un petit peu trop poussé l'aspect remake. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, c'est copier-coller. Hein. Ce qui n'est pas le cas de ce niveau-là, qui est assez sympa, un peu long. Pas très intéressant. Et il y aura d'autres niveaux qui sont pour le coup pas très intéressants non plus et qui sont exclusifs à cette version. On montrerait ça dans peu de temps parce que c'est dans ce niveau là notamment. Donc, vous voyez ici on retrouve les baraques qu'on peut shooter pour avoir des cœurs.
Vous voyez, pour avoir des points et des cœurs, on peut shooter les petites cabanes. On a les machins volants, les mecs, les soldats, donc hop, avec la mitrailleuse, etc. Il y a ces trucs-là qui sont nouveaux. Ça rappelle un petit peu Metal Slug, les véhicules. De loin, hein. Et vous allez voir qu'au niveau des mini-boss, c'est pareil, on va pas verser dans l'originalité. Sinon, le jeu a une réalisation impeccable, hein. Les musiques sont bien retranscrites, on retrouve bien les thèmes de Gunstar Heroes Mega Drive à la sauce GBA, donc la musique est de bonne qualité. La GBA est parfois un petit peu décriée pour la qualité de ses musiques. Ici, on est bon. Hein. Ici, c'est du tout bon au niveau musical. Au niveau des bruitages, ça claque de partout. J'aime beaucoup. Mais voilà, on a le côté remake qui est un petit peu trop prononcé. Regardez ce boss, ce mini-boss. Eh ben, c'est le premier mini-boss du premier niveau de Gunstar Heroes. On retrouve même la petite chenille. Qui était disponible en niveau, qui n'était pas disponible en niveau easy sur la version Mega Drive. Et c'est exactement le même boss. Hein. Ah merde. Tiens, hop, toujours au corps à corps, c'est plus puissant. Ok, ici pas tellement. Meurs, pourriture communiste. Putain. Ah, la chenille. La chenille qui redémarre. Allez, c'est parti. Voilà. Et lui, on peut s'amuser avec lui. Ça, c'est marrant, par contre. Ça, c'est original. On peut shooter la tête. Ça me fait un peu penser au dé. Et en fait, la tête, elle nous donne des cœurs. Je pense qu'elle nous en donne beaucoup moins en mode normal. Et là, elle m'en donne pas mal. Chaque cœur, c'est 20 ou 15 unités de... Et regarde, c'est 10. Chaque cœur, c'est 10. Dans Gunstar Heroes, il y avait des cœurs qui donnaient 15, des cœurs qui donnaient 20. Alors ici, le niveau What the Fuck... C'est un niveau tout en rotation. C'est un niveau tout en rotation. Et en fait, le but ici, ça va être de choper les poussins. Les petits poussins. Et de les ramener à la porte exit. Hop. Pour éviter ces mecs-là, là, les conneries qui se baladent, qui sortent des murs. Et en fait, plus vous chopez de poussins... Voilà, je vais y aller. Hop, regardez. Plus vous chopez de poussins, plus les points s'additionnent. Et il faut ramener tous les poussins. Il en reste 3, vous voyez, il y a un compteur de poussins. Il en reste 3 à ramener à la sortie. Voilà, et je vous dis bien qu'après, c'est le boss. Hein. Donc, voilà, c'est marrant, c'est joli, ça rotationne et tout ce qu'on veut, ça tourne. Mais qu'est-ce... Mais, nom de Dieu, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout dans un Gunstar Heroes, ce truc-là? Voilà, stage clear, et on va avoir le boss. Donc, c'était marrant, cette petite virée en poussin. Mais là, on en a la pyramide, qui est un passage anecdotique. Puisque, hop, vous voyez, on a ces mecs-là qui nous tirent pas du tout dessus. On se rappelle, l'ascension de la pyramide, il y avait des mecs volants. Bon, bah ici, il y a des mecs à la mitrailleuse. Mais bon, on arrive en dessous d'eux, donc concrètement... voilà. Hop, donc je suis pas très satisfait, moi, de ce Gunstar Super Heroes. Là, on retrouve... Le petit robot carré qui fait du kung-fu et qui est toujours aussi simple, même beaucoup plus simple que sur la version Mega Drive. On zappe la phase où on descend la pyramide. On a plutôt une phase comme ça où on détruit des blocs pour arriver finalement au boss. Et voilà Pink. Alors là, il faut que j'arrive à m'extraire de là. Voilà, voilà, hop. Et là, on y va joyeusement, on y va gaiement, hop. Et c'est fini. Et voilà, terminé. Donc là, assez simple, on retrouve exactement le même principe que dans Gunstar Heroes, mais le boss était beaucoup plus dur dans Gunstar Heroes. Hein. Il y avait, rappelez-vous, il y avait le gars qui était accroché au bras avec la mitrailleuse et qui nous tirait dessus. Il y avait plusieurs armes qui sortaient du robot, enfin... Voilà, grosse déception, rien que sur ce premier niveau. Donc on y va, on va écrire son nom, tout ça, doc, hein, là, save. Ah, patati patata. Donc là, on a, comme dans le premier, chaque boss va nous donner une gemme, une des 4 gemmes qui sont censées... qui sont censés réveiller Golden Silver. Donc je vais... Est-ce que je vais vous montrer celui-là? Ouais, je vais vous montrer celui-là, puis on va s'arrêter là. Je vais vous montrer ce niveau-là. Ouais,
voyez le passage du Capitaine Orange, donc rappelez-vous, sur Mega Drive, on commençait par un niveau en ascension. Ici, on commence par une espèce de shoot'em up tout lent. Ça aussi, c'est un niveau qu'ils ont rajouté. Et franchement, c'est pas une réussite, c'est tout lent. On peut tirer en face et il y a une autre touche qui permet de bombarder par en dessous pour ces petits tanks là, vous voyez, comme ça. Ça, c'est un passage qui était vraiment dispensable. Merde. Faire attention à ne pas rester bloqué par le décor. Faut détruire ces tours-là. Ça nous empêche de passer. Bon, on va laisser tranquille. Hop. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire ce niveau-là. Après, je vous montrerai vite fait le niveau de Black. Et on va s'arrêter là. Je vous montre pas le niveau de Green parce que d'une part, c'est du copier-coller de la version Mega Drive, encore une fois. Et puis le boss, il est juste horrible. La difficulté est assez relevée dans cet opus, mais pas forcément super bien dosée. Vous avez vu, il y a des boss qui sont faciles. Dès qu'on a accès au corps à corps, c'est vrai que c'est facile. Par contre, je crois pas qu'on peut passer par là, non. Dès qu'on a accès au corps à corps, c'est facile. Ah, dégage. Voilà. Mais par exemple, pour Green, où on n'a pas accès au corps à corps, là, c'est déjà un peu plus chaud. Hein. Cette phase ennuyeuse est assez bientôt terminée. On va détruire les sous-marins. Hop. Merde. Détruire ce truc-là. Et pourquoi je peux plus tirer, là? Bon, je tire comme ça, c'est pas grave. Hein. J'ai plus de munitions. Bizarre. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien, là. Bon, ça, c'est assez joli, par contre. Hein. Petits effets de déformation propres à la GBA. C'est là qu'on voyait que la petite portable, elle en avait quand même dans le ventre. Hein. C'était vraiment l'évolution de la Super Nintendo. De la 16 bits survitaminée, ça fait plaisir. Donc là, hop, attention, oh putain. Donc le vaisseau de Yellow, il nous suit. Hein. Ah merde, je suis touché le con, là. Je veux faire le malin et ça passe pas. Faire gaffe à ces mecs-là. C'est surtout eux qui sont chiants parce qu'ils nous balancent des petites bombes, petites bombinettes, là. Bon, la vie, ça va. De toute façon, je vais en récupérer, là. Comme dans l'opus original, il y a des espèces de trucs qui permettent de récupérer de la vie. Ces trucs-là, là. Merde. Qui balancent des bombes aussi, accessoirement. Allez, meurs, pourriture communiste. Voilà. Faut que j'arrête de dire ça. C'est marrant une fois, mais... Je le dis tout le temps, maintenant. Attends. Hop. Reviens. Hop. Là, bim. Eh, merde. Voilà, un petit cœur. Je crois que j'ai perdu plus de vie que j'en ai récupéré avec cette phase. Faut se dépêcher parce que les bonus disparaissent super vite. Vous voyez, encore une fois, la même musique. Hein. Hop, un remix de la même musique que celle du niveau de Orange qu'on va retrouver dans pas longtemps. À savoir maintenant. Alors elle va nous filer un coup de main pour aller jusqu'à son avion. Alors avec Orange, il faudra toujours faire très attention au corps à corps parce qu'il est quand même super puissant. I am Orange. I am SFR. C'est nul ça. Allez, hop, dès qu'il me voit, il me fonce dessus. Hop là, il faut l'éviter. Il faut pas hésiter à le shooter. Putain. Et on peut pas tomber, contrairement à la Gunstar Heroes Mega Drive, on peut pas tomber. Ah merde, j'avais pas pris assez d'élan. Hop. Putain, il m'a touché quand même. Et on peut plus le projeter. Avant, on pouvait le jeter hors du truc, là on peut plus. Alors je vais essayer une autre technique. Vous voyez, quand il clignote, on peut pas l'avoir. Allez, viens. Allez, viens, Balboa. Hop. Merde! Putain, j'étais dans le mauvais sens. Ah, il est tombé! Il est tombé, l'abruti. Gros abruti, va. Hop! Ah, putain! Eh, il va me tuer, hein! Non. Hop! Eh, putain, ouais, il va me tuer, hein! Ouais, faut éviter de le. Ouais, hop, faut pas hésiter à. Merde!
Non, c'est moi qui suis mort. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous montrer le comment ça marche. Clone new record, etc. Bon. Save. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, vous voyez, game over. J'ai fini. C'est-à-dire que là, j'ai perdu. Le jeu recommence. Par contre, j'ai sauvegardé ma progression. Donc, hop, ta, vous allez voir. Donc, je reprends raid en easy, continue. Et vous voyez que j'ai accès, donc, ici, j'ai fini le niveau, donc je peux aller à n'importe quel sous-niveau, vous voyez, le truc avec les hélicos, alors, c'est pas des poussins, tiens, c'est des cobites, apparemment, c'est des habitants de ce satellite. Mais moi, je dirais que ça ressemble quand même beaucoup à des poussins. Ici, vous voyez, donc ça c'est la phase en run and gun standard. Ici, la phase avec les... Ah bah si, save the chicks, donc c'est bien des poussins. Les poussins, la pyramide et l'attaque de Pink. Et ici, vous voyez, je peux aller là ou là. C'est-à-dire que je peux aller soit au passage avec les hélicos et je démarre avec ma vie à 200 au départ, soit je reprends directement à Fight in the Storm, donc la phase d'après, ce que je vais faire. Juste pour vous montrer comment ça marche, vous voyez, je reprends directement ici. Vous voyez, hop, voilà. Et on reprend à cette phase-là, la petite cinématique. Et on va regrimper là-dessus. Je vous montre ça vite fait, j'essaye de rebattre Orange et après je vous montre rapidement le niveau de Black. Bon, concrètement, vous aurez compris que ce Gunstar Super Heroes, malheureusement, il me déçoit un petit peu. Pas par sa réalisation, parce que c'est vraiment aux petits oignons, c'est superbe, la musique elle claque, etc. Mais par contre, son originalité, là pour le coup, on repassera. Par rapport à Gunstar Heroes, on est quasiment sur du copier-coller à certains moments. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y avait moyen de faire une suite digne de ce nom. Avec, certes, c'est toujours appréciable d'avoir des clins d'œil, des boss qui reviennent, etc. Mais pas à ce point-là, quoi. Ah putain, il m'a tapé par derrière cet enculé. On va essayer de pas faire comme tout à l'heure. Hop, putain. Ça, je vous l'ai pas dit aussi. Comme dans Gunstar Heroes, on a le même système de hit simple ou multiple. C'est-à-dire que quand certains ennemis vous frappent, ils vous mettent au sol. Et quand certains tirs vous frappent, vous avez des hits en continu. Ce qui fait que la barre de vie descend quand même rapidement. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à bien récupérer tous les cœurs qui traînent. Et faut pas avoir honte de commencer le jeu en easy plutôt qu'en normal. Hein. Quitte à le refaire après. C'était pareil pour le premier opus. Et je trouve que les personnages, même s'ils sont quand même assez bien modélisés, notamment les héros, les boss, tout ça, je trouve qu'ils n'ont pas un super charisme par rapport à ceux de la version Mega Drive. Hein. Là, je suis désolé, Orange, il ressemble plus à rien. Avant, il était marrant, quoi. Bon, l'espèce de gros bidasse avec sa moustache. Là, il n'y a plus de moustache. Il ressemble plus à rien. Putain, merde! Ah, c'est bon. Allez, crève. Là, il bouge plus, je sais pas pourquoi. Des fois, il bug, Orange. Là, il bouge plus et donc je peux le shooter à mort. Et voilà, il est mort. Vous voyez, c'est bon. Pas difficile. Petit bonus. Voilà, ce stage-là, il est fini. Et je vais vous montrer rapidement le stage de Black pour que vous compreniez bien ce que j'entends par remake réchauffé. Black City. Ici, dans ce niveau-là, c'est un casino. Ce qui n'est pas détonnant, hein, c'est un petit peu ça. Hop. Là, on va retrouver un petit peu tous les ennemis, tout ça. Il y avait ça aussi, hein, il y avait une petite phase d'intro. Et puis après, on arrivait directement dans le casino. Enfin, ici, c'est un casino, mais c'était pas un casino à l'époque. On arrivait directement dans la forteresse de Black avec le système du jeu de loi, si vous vous rappelez. On devait jeter un dé et ça nous mettait sur la case d'un jeu de loi. Et chaque case correspondait à un mini-boss ou à un parcours timé ou alors à un endroit où on pouvait récolter de la vie ou des bonus d'armes. Et ici, c'est pareil. Sauf que vous allez voir, il y a une petite subtilité. Le chemin est beaucoup plus compliqué qu'un jeu de loi. Merde ! Ah bon, on peut passer par en bas en fait. Il y a même un chemin ici.
Voilà, on peut récolter de la vie. Il y a quand même pas mal de phases cachées, de petits endroits cachés. Ils se sont un tout petit peu creusés au niveau level design, mais vraiment un tout petit peu. Hein. C'est-à-dire que l'essence même du jeu, c'est quand même d'être un remake copié-collé de certains passages. Bon, eux, ils sont chiants par contre. Eux, ils sont censés représenter les ennemis fantômes qu'il y avait dans Gunstar Heroes, mais ils sont quand même vachement puissants. Ils sont assez énervants avec leurs rayons. Voilà. Et en plus, ils nous filent même pas de cœur. Ah, il faut le dégommer, ça. Vous voyez, le wall jump. Alors, attendez, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc comme ça. C'est hop, hop. Attendez, hop. Ou alors, c'est que Blue. Je crois que c'est Blue qui a un double wall jump, en fait. Il fait le wall jump et après, il fait encore un double saut. Mais que dans un wall jump. Il peut pas faire un double saut, mais il peut se propulser avec un... J'aurais dû reprendre Blue, en fait. Mais bon, ça m'aurait obligé à recommencer le niveau de... le jeu dès le début. La sauvegarde est propre à chaque personnage pour la simple et bonne raison que le scénario va légèrement varier en fonction du personnage et du niveau de difficulté. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de dés. On sélectionne les phases du jeu de dés. Alors, 1, 2, 3... Ah bah, je crois que c'est déjà un niveau à la con, ça. Ah bah, c'est voilà. Ça, c'est chiant. C'est le niveau chiant. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau qui, quand vous tombez, vous allez voir, le sol va se fissurer, on va tomber, on peut tomber dans un trou. Et le problème, voilà, il faut éviter que le sol se déglingue, comme là. Il faut éviter absolument. Parce que si on tombe dans le trou, ben on tombe à l'étage en dessous du jeu de loi. Voilà, ben je suis tombé, vous allez voir. Là, vous voyez, je tombe en dessous alors que j'aurais pu aller au-dessus. Là, on va avoir un boss très chiant, le mini soldat, qui est quasiment invincible tant qu'on est au même étage que lui. Donc il faut descendre, ou il faut remonter. Hop, ça c'était un boss totalement bidon dans... tous les boss du niveau de Black étaient totalement bidons dans Gunstar Heroes, quasiment, à part quelques-uns. Ici, non, c'est pas le cas. Hein. C'est clairement très frustrant, ce niveau. Surtout que je vous dis, on passera son temps à avoir des embranchements qui... Voilà, il est mort. Qui feront qu'on retombera à l'étage en dessous, en fait. Il y en a même une case back qui permet de revenir en arrière. Là, ça va, celui-là, il n'est pas trop dur. Voilà, terminé. Hop! Celui-là, ça va, il n'est pas trop dur. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ça, c'est un autre boss qu'il y avait déjà dans Gunstar Heroes, qui était très simple. Là, il l'est un peu moins. Parce qu'il balance ça. L'autre, il balançait pas ça. Alors, je sais pas pourquoi, quand on est dans l'eau, on a une bouée. Il y a quelques petits ralentissements, vraiment, quand il y a énormément d'effets comme ça. Il y a quelques petits ralentissements. Putain, merde! J'ai pété sa gueule! Voilà. Non, mais... Ah oui, mais ici, il faut faire gaffe. Parce qu'on peut pas toucher le sol à cause de ces mecs-là. Ils explosent. Il faut aller attraper le machin. Donc, globalement, quand même une déception pour moi, ce Gunstar Heroes. Ce Gunstar Super Heroes. Ici, une phase timée. Une déception pour moi parce que beaucoup, beaucoup trop de copier-coller du premier épisode. J'adore Gunstar Heroes, mais il aurait mérité une suite, une vraie suite, avec des niveaux originaux, avec des boss originaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des clins d'œil au jeu original, mais enfin, voilà, c'est... Un clin d'œil, c'est pas copier-coller un niveau, quoi. Ah, j'arrive pas à le buter. Voilà, ça ouvre la porte. Par là, il y a du bonus, non? Non, c'est pour revenir... C'était au cas où on tombait, en fait. Ici, c'est timé, donc faut se dépêcher. Hein. Et on aura quelques bonus, normalement. Ouais, ici, il y a des bonus. Hop. Et ici, on peut soit finir directement là, soit aller un peu en haut pour récolter d'autres trucs. Alors là, on va pouvoir monter, mais on va pouvoir aussi retomber plus bas, en fait. Ici, c'est un niveau, c'est le niveau item, donc pour avoir des bonus. Ici, on va utiliser massivement le wall jump. Voilà. Ah, merde! Ah, quel con!
Et on va en profiter pour récolter pas mal de bonus. On aura bien besoin. Donc, est-ce que je vous conseille ce Gunstar Super Heroes? Bah, je le conseillerais aux gens qui n'ont pas fait le premier, bizarrement. Parce que forcément, si vous êtes comme moi, un rétro gamer qui a connu le premier, vous serez déçu. Vous serez forcément un petit peu déçu de voir qu'ils ont pas, ils sont pas non plus creusé la cervelle pour nous faire quelque chose d'aussi fun et surtout original à son époque que Gunstar Heroes. Ah, allez, putain! Alors, faut sauter, hop! Allez, on descend. Il y a un ascenseur en fait, donc c'est pour ça que je descends. Un ascenseur avec en plus un petit bonus. Voilà. Alors, est-ce qu'on va réussir à pas tomber? Vous voyez, si je perds à Barracks, je drop. À chaque fois que c'est marqué drop, je retombe au niveau du dessous, quoi. 1, 2, 3. Bon, ici c'est bon, normalement. C'est pas. Non, c'est un niveau à la con aussi. Ici c'est un niveau à la con parce qu'il y a plein d'ennemis, notamment les fameux soldats fantômes dont je vous parlais tout à l'heure. Eux ils sont résistants mais ils sont pas trop chiants encore. Ah oui si c'est là. Si vous vous rappelez de ce personnage, c'est Smash Daihatsu, à savoir on l'appelait Colonel Red improprement dans la version française, dans la version européenne on l'appelait Colonel Red, mais en fait c'est Smash Daihatsu il s'appelle. Et on le voit quasiment, on le voit pas beaucoup dans cette version. On monte et on a le boss, mais je crois que je vais pas le battre, Black. Alors il faut aller à sa tête en fait, hein. Il faut, hop, voilà, il faut éviter ses pinces. Il faut essayer de passer. Voilà, comme ça. Et là on peut le toucher. Et il nous envoie des missiles. Donc il n'y a plus non plus le système où il changeait d'arme en fonction d'un lancer de dés. Vous voyez là, il a changé de côté. Bon, mais on retrouve toujours des armes diverses, hein, des armes de feu, des armes laser, des missiles. Donc c'est pas tout à fait le même boss, hein, mais bon, c'est à peu près le même principe. Hein. J'espère que je vais le battre. Ce serait pas mal. Enfin, on finirait en beauté cette vidéo. Voilà, il tourne. Bon, c'est quand tu veux, hein, Biloute. Il s'arrête pas. On va tenter un truc. Ah, il m'a écrasé. Saloperie. Comment je fais, là? Comme ça, ça devrait marcher normalement. Ouais, bon, je le touche un petit peu. Ouais, en fait, il faut que j'aille plus vite que lui. De manière à le recentrer. Là, encore un petit coup et ça va être bon. Yeah, et voilà. Bon, vous voyez, difficile mais pas impossible. Hein. Le jeu est un petit peu dur. Alors là, il va nous refaire le coup, je pense. Il va nous balancer une gemme qui explose. Vas-y, balance. Il va nous refaire le coup de Gunstar Heroes. Si même ça, ils l'ont copié, eh ben... Voilà, vous voyez? Ça, c'est du copier-coller aussi, ça. Allez, balance un truc. Allez, balance une petite bombe à la fin. Bon bah voilà. Bon, un jeu qui m'a déçu, hein, vous l'aurez compris, beaucoup trop copier-coller de son prédécesseur Gunstar Heroes. Je vais lancer le niveau de Green en même temps que je vous parle, comme ça, vu que c'est un niveau qui scrolle tout seul, ce sera très bien. Nanani, nanana, hop, Green Force Canyon, hop là. Et on y va. Vous voyez, là on n'est plus sur un chariot, on est sur une espèce de chien, mais on a toujours le système de passage du sol au plafond en fait. Hein. Voilà, un jeu qui m'a déçu, un jeu que je vous conseille néanmoins de par sa réalisation et qui est quand même assez speed, assez sympathique. Mais bah voilà, vous aurez une petite pointe d'amertume si vous avez revoilà Smash Daihatsu. Si vous avez connu Gunstar Heroes, vous serez quand même déçu de voir qu'ils n'ont pas su sublimer la série et faire un jeu vraiment original
faire une vraie suite à ce jeu. Ils ont, se sont contentés d'un remake. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Gunstar Super Heroes sur GBA. C'était mon premier test GBA d'ailleurs. Hein. Pour un premier test, on commence par un jeu excellent, mais malheureusement qui m'a déçu. C'était Doc McCoy. Salut !